na pamboliza be c'est vrai na na yibi ba on internet nde bible lo bara et pas nzambi azay zate na yaka lemo na no ve ki bazala na lemo bien en fait na ka lemo na ka ça fait longtemps pour famille na ngiza a mais na bi na gizo na ye na kinda na mais na yaki lo na bi non mais na bi na ba ah non ya lemo na vite na na koma. On vient évaluer, a tout n'est pas expliquer. C'est pas ça expliquer, on a une photo sur le réel. On a habité. Il y a une zambine qui a un cœur. Qui est là pour s'amuser à l'égo. Parole à Théi. Moi, personnellement, je connais. Dieu a permis à ce qu'il y ait un peu de bambou. Et puis, n'a pas un bol à l'égo. On a un maté à Komaka. On a habité. Il faut que tu aies un peu de temps. Il faut que tu aies un peu de temps. Il faut que tu aies un peu de temps. Il faut que tu aies un peu de temps. Il faut que tu aies un peu de temps. Il faut que tu aies un peu de temps. Il faut que c'est ma maison. Amen. Ton pasteur que tu aimes beaucoup, ta copine que tu aimes beaucoup, ton copain que tu aimes beaucoup, ça sera bien lui qui cherchera ta tête à toi. Alléluia. Amen. Ton amour à toi ne dépasse pas l'amour de Dieu. Oh, papa, il est là, Jésus. Il est merveilleux, ce Jésus-là. Il est incomparable, amen. L'admirable, amen. L'étoile brillante du matin. Amen. Oh, quand les nuées se rassemblent, alléluia, amen. Dieu voulait faire tomber l'eau aussi sur la terre pour faire le déluge. Oh, Dieu se souvient de Noé, Dieu se souvient de l'arc, oh, alléluia, qui se présente aux nuées. À combien plus forte raison, Jésus. Jésus s'est donné sa vie pour nous. Amen. Jésus est notre arc-en-ciel. Amen. Devant nos problèmes qui nous encablent, Jésus est là. Même si les ténèbres persistent dans ta vie, oh Jésus est l'étoile brillante du matin. Amen. Même si les choses ne marchent pas, Jésus est là, les choses marcheront. Amen. Même si rien ne marche dans ta vie, oh le monde te condamne, mais Jésus est là. Amen. Il brisera vos nations. La personne que tu as scellée dans ton cœur, il est image de Dieu. Amen. La personne que tu as scellée dans ton cœur, il est envoyé de Dieu. Amen. Pour annoncer la bonne nouvelle. Laisse-moi te dire, la personne que tu as mis au fosse, à la poste lion, ah, il est envoyé de Dieu. Il paiera sortir. Dieu le paiera sortir et toi tu le remplaceras. Amen. Et bien, tu fais rencontre moi. Je n'ai pas de problème. Je continue à servir, hein, mon Dieu. Amen. Je continue à évangéliser. Amen. Tu es indifférent. Et maintenant, peut-être cette personne a pris du temps de prier pour toi. Amen. Mais aujourd'hui, tu es indifférent contre lui. Aujourd'hui, tu es la première personne de cette personne. Non, on ne combat pas le lui de Dieu. Amen. On ne combat pas le choix de Dieu. Amen. On ne combat pas l'établi de Dieu. Amen. Tu le remplaceras toi-même. Alléluia. Amen. Attention, amen. Il est temps, amen, de changer ta vie. Amen. Saisissez l'opportunité. Amen. Toi, Pharaon, Pharaonne, change ta vie.
Amen. Cher Saint-Esprit, mouve-toi. Prends totalement la place. Tu es l'Alpha l'Oméga. Le commencement et la fin. Le roi du roi, Père. Merci de m'avoir accordé ton intelligence, ta sagesse, ta connaissance, ainsi que le discernement des esprits. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sans plus tarder, prenez nos Bibles. Ouvrons là dans Romains chapitre 10, verset 17. Romains chapitre 10, verset 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vous bénis au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés, soyons attentifs. Mon thème de ce soir est intitulé La vraie foi. Quand on parle de la vraie foi, c'est-à-dire qu'il y a aussi la fausse foi. Quand on parle de vrai Dieu, il y a aussi de faux dieux. Je voulais juste vous dire, bien-aimés, soyons présents, présentes. Nous pouvons bien être là, mais parfois nos esprits ne sont pas là. C'est le message que j'avais eu pendant la nuit. J'étais en train de prêcher. Il n'y a que peu de gens, peu de personnes qui étaient présents. D'autres n'étaient pas là. Leur esprit n'était pas là. Alors, ils n'ont pas réussi.
ce que Dieu a communiqué ce soir. Je voulais que nous fassions tout cela. Alléluia. Amen. Nous venons de lire la parole de Dieu, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien aimé, c'est simple et facile. En lisant la parole de Dieu, nous avons bien compris qu'avant d'avoir la foi en nous, il faudrait que nous puissions d'abord écouter la parole. Sans la parole, nous ne pouvons jamais avoir la foi. Je vous ai déjà dit, la foi que nous parlons souvent, c'est une chose qui est invisible, n'est pas visible. On ne peut pas toucher la foi entre nos deux mains. Nous ne pouvons jamais toucher la foi parce que la foi est esprit. La foi, c'est Jésus lui-même. Alléluia. La foi vient de ce qu'on attend. Pour pouvoir avoir la foi en nous, nous pouvons attendre. Quelles sont ces paroles que nous allons, nous pouvons bien attendre? Voilà pourquoi j'ai dit que non, il y a aussi la fausse foi. Tu peux être communiqué croyant que tu as une bonne foi ou que tu as une mauvaise foi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pour avoir la foi, on n'a pas beaucoup d'acrobaties à faire. Alléluia. Amen. On ne peut pas multiplier des formules pour que nous puissions avoir la foi en nous. C'est juste d'écouter. D'écouter la parole. Et puis de considérer cette parole. De laisser cette parole puisse prendre la place. Alléluia. Amen. Dans ce mot, la foi, nous nous voyons très bien, il y a trois lettres. N'est-ce pas? Amen. Il y a F-O-I. Alors nous tous, nous allons découvrir les œuvres de la foi. Bien aimé, écoute. La foi ne peut jamais marcher avec les choses visibles. Amen. Alléluia. Amen. La foi ne peut jamais marcher avec tes richesses, ton argent à toi. Amen. Avant d'avoir quelque chose auprès de l'éternel bien-aimé, oui, tu peux semer quelque chose, mais ce n'est pas que cette chose-là va rendre ta foi vivante. Alléluia. Amen. Non. Quelqu'un peut te dire, tu es en train de chercher quelque chose, soit le mariage, soit le voyage, soit le bébé. Tu dois semer quelque chose pour que ta foi en toi puisse avoir, puisse être vivante. Alléluia. C'est bien. Tu peux venir semer. Tu peux donner. Tout ce qu'on te demandera, tu peux donner. Mais une chose à savoir, est-ce que ce que je viens de donner, ça va concorder avec la pensée de Dieu? Ça sera prouvé par Dieu? Parce que lui-même dit, sans la foi, il est impossible pour que nous puissions être agréables. Amen. Alléluia. Amen. Il est Dieu qui sonde le cœur et les reins. Il est Dieu qui nous voit clairement. Si tu n'as pas la foi, il te dira que non, tu n'as pas la foi. Amen. Même si que tu sèmes 1000 euros, j'aime beaucoup dire 40 000 euros. Alléluia. Amen. Vu que tu n'as pas la foi, c'est-à-dire que non, Dieu n'est pas un bindo. Dieu n'est pas un permis. Tu ne peux jamais récolter. Demain, tu diras que non, mon pasteur à moi est farceur. Je n'irai plus jamais dans cette église-là. J'ai semé 40 000 euros. Mais je n'ai rien reçu. J'ai semé quelque chose, la maladie ne quitte pas.
Mais on te dit que non, avant que tu puisses être guéri, il faut avoir la foi. Et cette foi puisse être vivante, tu dois semer quelque chose. Alléluia. La foi ne marche pas avec les choses visibles. La foi marche avec les choses invisibles. Nous voyons trois lettres. Première lettre, nous voyons F. Alléluia. Amen. Dieu nous demande d'être fidèles. Amen. C'est lettre F. Alléluia. Amen. Dieu nous demande d'être fidèles. La fidélité devant Dieu. La fidélité à son travail. La fidélité à tout ce qu'il nous demandera. Alléluia. Amen. Deuxième lettre, O. Dieu nous demande d'être obéissant, obéissante. Alléluia. Amen. L'obéissance. Alléluia. Amen. Troisième lettre, I. Dieu a besoin que nous soyons intègres. Dieu a besoin de l'intégrité. Alléluia. Amen. Voilà la foi. La fidélité, l'obéissance et l'intégrité. Bien-aimé, si tu as ces trois œuvres, si tu as ces trois fruits, laisse-moi te dire, si Dieu ne t'élève pas, si Dieu ne te bénit pas, moi, je peux dire que non, il n'est pas Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, je te dirai que non, ce Dieu-là n'est pas Dieu. Si tu as ces trois choses, si tu as ces trois éléments, et que Dieu ne te regarde pas, je ne sais pas moi. Alléluia. Amen. Ces trois choses accompagneront ta foi à toi. Amen. La fidélité, c'est l'attachement constant pour les mêmes êtres ou les mêmes choses. Ça, c'est la fidélité. L'attachement. Tu es attaché à quelque chose. On te donne un travail. Tu es fidèle à ce travail-là. Mais avant que la fidélité puisse naître, tu as d'abord l'amour. Alléluia. Parce que c'est l'amour qui va engendrer la fidélité. Vu que tu vois que non, je suis mieux payé, je suis mieux servi, tu auras maintenant la fidélité. Ce n'est pas avec que non, tu as accepté de faire ce travail, parce que tu aimais ce travail. Tu as manifesté ton amour. Amen. Et bien après, la fidélité prendra place. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'aimes pas ce travail, tu ne peux pas travailler. Amen. Tu peux aimer ce travail, mais vu que tu n'as pas la fidélité, tu n'as pas la fidélité, tu n'es pas fidèle de ce travail, tu prendras toi-même faute. Amen. Mais si la fidélité est là, même si le salaire est chétif, tu resteras là. Amen. Tu resteras là. Amen. Tu seras toujours attaché. Amen. Bien aimé, Dieu est fidèle vis-à-vis de nous. Amen. Parce qu'il nous aime beaucoup. Amen. Nous devons être fidèles vis-à-vis de notre Dieu. Amen. Ce n'est pas d'avoir l'amour. J'aime Dieu, mais tu n'es pas fidèle. Yes. Non, impossible. Mm. Tu dois prouver ton amour à toi vis-à-vis de Dieu. Amen. J'aime Dieu, mais tu n'es pas fidèle. Mm. Alléluia. Amen. Abraham entendait parler de Dieu, d'un certain Dieu. Mais pendant qu'il avait beaucoup d'argent, pendant qu'il faisait ses commerces, Alléluia. Amen. Il faisait son travail, son commerce à lui.
Il adora ce Dieu à lui, avec son père. Mais quand le moment est venu, Dieu a fait l'appel d'Abraham. De loin, bien-aimé, Abraham aimait Dieu, aimait le Créateur. Je vous dis, bien-aimé, il y a des sorciers, il y a ceux-là qui pratiquent la magie. Aime ton Dieu à toi. Aime le Créateur. Alléluia. Amen. Mais le problème, c'est la fidélité qui le manque. Il aime Dieu, il aime le Créateur, mais ils ne sont pas fidèles à ce Dieu-là. Ils sont fidèles à leur Dieu. Alléluia. Je le fais seulement pour faire. Ce n'est pas vraiment ma mission à moi. Si je suis devenu féticheur, bon, c'est pour chercher quelque chose. Il n'aime pas ce travail. Il aime son Créateur. Mais il n'est pas fidèle à Dieu. Parce qu'il travaille pour une autre personne, pour un autre Dieu. Il est fidèle à son travail, à lui. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Amen. Mais d'autres gens aiment le monde, sont fidèles dans le monde. Amen. Je n'aime pas ce travail. Mais vu qu'on n'a rien, vu qu'on est des orphelins, des orphelines, que ferais-je? Je suis obligé d'aller faire ce travail, amen, de devenir prostitué. Amen. Alléluia. Amen. Il est fidèle à son travail, mais il n'aime pas ce travail-là. Il le fait, elle le fait parce que il ne sait pas là où peut trouver l'argent. Parce qu'on lui avait proposé cela. Alléluia. Amen. Je veux devenir serviteur de Dieu ou disciple de Dieu. Parce que dans notre famille, oh là là, nous sommes dérangés à tout moment. Laissez-moi, tous les jours, il faut que j'aille à l'église pour chercher la protection. Mais la personne n'est pas fidèle à ce Dieu-là. Il prend fuite des sorciers de leur famille pour que l'éternel Dieu puisse le protéger ou la protéger. Amen. Mais il n'est pas fidèle, hein, de ce Dieu-là. Il n'est pas pratiquant. Alléluia. Amen. Avant-hier, j'avais abordé, exhorté une personne. Oui, j'aime Dieu, j'ai prié Dieu, mais je ne suis pas pratiquant. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas pratiquant, tu n'es pas disciple de Jésus. Tu n'es pas fidèle à Jésus. C'est clair. Tu dois t'attacher à cette personne, à cette chose, à ce travail. Tu aimes vraiment ce travail très bien. Amen. Tu es fidèle à ton poste, à toi. Je suis fidèle à mon mari. Je suis fidèle à ma femme. Je suis fidèle à mes enfants. Personne ne peut nous séparer. Alléluia. Amen. Ah non, je l'aimais parce que voilà, c'est comme ça. J'avais décidé d'avoir des enfants, mais je ne suis pas fidèle d'elle. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il triche à tout moment. Amen. Parce qu'il n'est pas fidèle de sa femme, elle n'est pas fidèle de son mari. Amen. Si tu es fidèle de ton mari, fidèle de ton mariage, tu ne peux jamais aller tricher ailleurs. Tu resteras là. Amen. Dans ta maison. Amen. Même si ton mari est violent, tu resteras là. Yes. Alléluia. Amen. Qualité de ce qui est proche, semblable, identique. Toujours la fidélité. Amen. Amen. Attention avec la fausse foi. Oh, obéissance. Action d'obéir. C'est-à-dire de faire ce qui a été demandé ou ordonné. Action d'obéir. En refusant de faire ce qui a été demandé ou ordonné, tu n'es plus obéissant, tu n'es pas obéissant, tu es désobéissant, désobéissante. Le cas de cet homme Saül,
On lui avait demandé d'aller tuer. Lui, il a laissé le roi en vie. Il a amené d'autres choses dans les camps. Voilà, on l'avait déclaré rebelle. Il était rejeté parce qu'il avait désobéi à la parole de Dieu. Amen. Nous devons obéir. Je vais m'arrêter d'abord cela. Bien-aimés, nous pouvons bien être fidèles dans notre service. Nous pouvons bien aimer Dieu, être fidèles vis-à-vis de Dieu. Mais le problème est que d'obéir à ce Dieu-là. Amen. Ce n'est pas je suis, j'aime Dieu, je suis fidèle envers mon Dieu, mais je refuse à ses ordres. On ne sera plus jamais forte. Amen. Jésus aime son Père. Mm. Il est fidèle à son Père. Amen. On lui a envoyé une mission suicide. Il n'a pas refusé, il a obéi. Merci. Alléluia. Amen. Il a accompli les premières œuvres de la foi. Deuxième, il a accompli cela. Alléluia. Amen. Il avait accepté, il a obéi de venir dans ce monde afin de sauver l'humanité. Il avait obéi. Alléluia. Amen. L'obéissance, c'est tout simplement art d'obéir, de faire ce qui a été demandé ou ordonné. J'aime beaucoup ma mère, j'aime beaucoup mon père, mais tu refuses à ses ordres. Mmh. Alléluia. Mmh. Même si tu dis que non, je suis fidèle à mon père, mais tu dois obéir à ses ordres. Mmh. Alléluia. Mmh. Là, Dieu prouvera ta foi à toi. Là, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te le donnera. Amen. Intégrité ou intègre. Quelqu'un qui a une grande honnêteté. À l'intégrité, bien-aimé, il y a la justice. La droiture. Tu dois être honnête. Alléluia. Amen. Tu es solide. Mmh. Bien, mais si tu as toutes ces trois choses, je répète, si Dieu ne te bénit pas, moi je dis que non, il n'est pas Dieu. Peut-être tu pries un autre Dieu. Mais si nous prions réellement le Dieu qui est la vraie foi, bien aimé, en accomplissant ces trois œuvres de la foi, laisse-moi te dire, tu séduis directement ton Dieu à toi. Amen. Voilà pourquoi on dit souvent, oh, cette dame-là, elle a une grande foi. Amen. Cet homme-là a une grande foi. Alléluia. Amen. C'est parce qu'il est fidèle, elle est fidèle à son travail. Amen. Il aime son Dieu, il est fidèle, elle est fidèle. Il obéit à son Dieu. Amen. Partout Dieu l'envoie, il part. Il ne refuse jamais. Il est intègre, bien-aimé. Même si tu avances pour la séduire, Non, il est solide. Il ne peut jamais bouger. Il est droit, il est juste. Il est honnête à son service. Honnête à son Dieu. Il ne peut jamais bouger. Bien-aimé, il a une grande foi. Elle a une grande foi. Automatiquement, la personne séduit Dieu. Amen. Là où Dieu est dans son trône, il bouge. Ah, vraiment, cet enfant, ma fille là, elle me fait bouger. Mmh. Il me fait bouger. Parce que tu ne bouges pas. Mmh. Tu es complet. Tu as une grande foi à toi. Mmh. Alléluia. Mmh. On avance. Viens avec ton 10 000 euros. Avec ton argent. Mais tu manques la fidélité. Mmh. Tu manques l'obéissance. Mmh. Tu manques l'intégrité. Mmh. Soit tu as la fidélité. L'obéissance n'est pas. L'intégrité n'est pas. Dieu ne te bénira pas. Amen. Au Père au Papa Stern. Alléluia. Amen. C'est la corruption vis-à-vis de ton pasteur. Amen. Ton pasteur à toi ne peut jamais prouver ta foi à toi. Lui-même ne peut jamais voir la foi qui est en toi. Il est incapable de voir sa foi en lui. Amen. Comment tu recevras quelque
quelque chose entre la main de ton Dieu à toi. Toi qui manques la fidélité, toi qui manques l'amour, à toi il y a la haine, la colère, la jalousie. Tu as l'obéissance, la haine est là. Mais laisse-moi te dire, les choses de Dieu ne peuvent jamais marcher avec les choses du pauvre diable. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous, nous échouons. Beaucoup d'entre nous, nous critiquons Dieu. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, nous avons à nous l'esprit de montrer que les gens le doivent. Cet homme, cette femme-là est trop spirituel. Alléluia. Amen. Non, il applique cela. Il applique les œuvres de la foi. Amen. Bien, mais tu peux voir une personne manque quelque chose. Mais laisse-moi te dire, physiquement, elle manque cela. Mais spirituellement, la personne est remplie. Amen. La personne est remplie. Amen. Pendant que toi, tu pars, tu cours dans ta chambre pour gêner 50 jours, afin de venir prier pour une personne, une malade. Mais celui-là, n'a pas le temps d'aller, bien-aimé, quelque part pour chercher la foi de Dieu pendant 50 jours. Non, la foi de Jésus devant la tombe de Lazare, Jésus a dit, Seigneur, exauce-moi. Amen. C'était quelques secondes. Dieu a répondu. Alléluia. Parce que cet homme a une grande foi. Pierre arriva quelque part. On lui dit que non, Tabitha Dorcas est morte. Elle pesait du bien. Alléluia. Pierre n'a pas dit, attendez-moi, il faut que je me recule un peu pour chercher la face de Dieu. C'était là que Pierre a fait résister Tabitha. Alléluia. Nous devons avoir en nous une grande foi. Une foi vivante, pas la foi morte. Pas la foi morte, bien-aimé. Dans Genèse chapitre 12, Abraham a accepté. Il a obéi à la voix de l'Éternel. Dieu l'a fait sortir dans la maison de son père. Abraham a obéi. Il était parti. Dieu lui avait promis. Il était content. Mais Abraham n'était pas pauvre. Abraham avait ses richesses. Il a sorti dans la maison de son père avec ses richesses. Sa femme, son neveu, ses serviteurs. Il ne manquait rien. Alléluia. Amen. Abraham avait son argent, avait ses richesses. Mais il a attendu la voix de Dieu. Il a sorti, il a laissé son père. Il a laissé la maison de son père. Il a laissé sa chambre à lui. Il est sorti. Il est parti. Là où Dieu lui avait indiqué. Alléluia. Amen. Il aimait. Il était fidèle à celui qui n'a jamais vu. Qui n'a jamais connu. Abraham a obéi. Mais ce qui manquait à Abraham, l'intégrité. L'intégrité à ce moment-là manquait à Abraham. Il aimait Dieu. Il était fidèle à ce Dieu. Il avait obéi à Dieu. Mais Abraham, l'intégrité lui manquait. Voilà pourquoi quand il arrivait quelque part, il avait une grande famille. Abraham n'a pas résisté. Il n'a pas appliqué l'intégrité, la justice. Il avait préféré d'aller exiler en Égypte et puis de mentir. Alléluia. La Bible déclare Abraham vainqueur de vainqueurs. Il a donné même la dîme à Melchizedek. Alléluia. Mais il n'était pas encore intègre. Il manquait à lui l'intégrité. Alléluia. Voilà pourquoi il était impossible pour qu'Abraham puisse avoir Isaac à lui. Il demandait quelque chose à Dieu. J'ai besoin d'Isaac. Mais il ne pouvait jamais avoir Isaac à cette heure-là parce qu'il manquait à lui l'intégrité. Si tu as l'intégrité, tu feras route ensemble avec Dieu. Si tu es intègre, tu ne peux jamais trahir ton Dieu à toi. Tu ne peux jamais livrer ton Dieu à toi.
tu ne peux jamais régner ton Dieu à toi. Même si que la souffrance augmente, même si que tu es rejeté, puis que tu es juste, droit, intègre, honnête, bien-aimé, tu resteras là. C'est là que Dieu te trouvera. Tu ne changeras plus jamais de poste. Plus jamais de place. Là où Dieu t'a laissé, tu resteras là. Dieu a dit à Abraham, vas-y, va là-bas. C'est là que je t'envoie. Mais Abraham a déplacé 1000 pas jusqu'en Égypte. Pendant qu'il n'était pas ordonné par Dieu d'aller en Égypte. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas l'intégrité, l'honnêteté n'est pas la bien-aimée. Dans ta bouche, il n'y aura que les mensonges. Alléluia. Amen. Même si quand tu dis oui, je suis fidèle à Dieu. Je suis obéissant, obéissance à Dieu. Mais le mensonge est là. La vérité n'est pas là. La justice n'est pas là. Tu repousses ta bénédiction. Ta foi ne sera jamais forte, vivante. Or que Dieu te bénira à travers ta foi à toi. Amen. Yes. Amen. Alléluia. Amen. 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 La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous pouvons bien rester devant nos Bibles en nous pendant 5 heures du temps en méditant que la parole de Dieu. Oui, c'est bien. Tu recevras la foi. Mais mettre aussi en pratique cette parole. Parce que cette parole vient du Seigneur. Tu auras la foi. Maintenant, ta foi à toi puisse devenir, puisse avoir maintenant la force. Amen. Ta foi puisse être vivante. Amen. Ta foi puisse marcher ensemble, ses œuvres en elle. Amen. Nous avançons. Nous avons 5 synonymes de la foi. La foi a 5 synonymes. Nous parlons que la foi, mais tu ne connais même pas les synonymes de la foi. Oui. Alléluia. Amen. Bien-aimé, reçois cet enseignement. Oui. Tu seras rassasié aujourd'hui. Premier synonyme de la foi, nous avons la confiance. Alléluia. Deuxième synonyme de la foi, nous avons la conviction. Alléluia. Troisième, nous avons la croyance. Confiance, conviction, croyance. Quatrième, nous avons la fidélité. Et cinquième, nous avons spiritualité. Le 5 synonyme de la foi. Fidélité. Nous voyons la fidélité de cet homme, le prophète Samuel. Alléluia. Amen. Cet homme était fidèle dans son travail. Il n'a jamais volé. Il n'a jamais dérobé le bien de son peuple. Il était fidèle à son poste, à lui. Amen. Dans 1 Samuel 12. Premier à 5. Samuel dit à tout Israël, voici, j'ai écouté votre voix dans tout ce que vous m'avez dit, et j'ai établi un roi sur vous. Et maintenant,
voici le roi qui marchera devant vous. Pour moi, je suis bien, j'ai blanchi, et mes fils sont avec vous. Je marchais à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Mais voici, rendez témoignage contre moi à présence de l'Éternel et à présence de son oint. De qui ai-je pris le bœuf et de qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous les rendrai. Ils répondirent, tu ne nous as point opprimés et tu ne nous as point traités durement et tu n'as rien reçu de la main de personne. Il leur dit encore, l'Éternel est témoin contre vous et son oint est témoin en ce jour que vous n'avez rien trouvé dans mes mains. Et ils répondirent, nous en sommes témoins. Alléluia. Amen. La fidélité de Samuel, il n'a jamais volé. Amen. Si tu es quelqu'un qui déplace que des choses, tu n'es pas fidèle à ton travail. Si tu es quelqu'un qui chute que le filet de Dieu, tu n'es pas fidèle à ton travail. Tu n'es pas fidèle à ton Dieu, à toi. Tu respecteras le travail de ton Dieu. Si tu es quelqu'un qui couche avec le filet de Dieu, tu n'es pas fidèle à ton travail. Amen. Alléluia. Amen. Samuel, après avoir... avant de partir, Samuel a fait son bilan. Quel bon serviteur de Dieu a déjà fait son bilan en disant, dis-le à votre Dieu. Alléluia. Quelle personne que j'ai causé du tort. Alléluia. Un serviteur fidèle à son poste. Un serviteur fidèle à son Dieu. Il aimait son Dieu à lui. Il aimait son peuple à lui. Il travaillait pour l'intérêt de son Dieu, pour l'intérêt de son peuple. Alléluia. Par contre, Saül non plus, il n'était pas fidèle. Un vrai voleur, un vrai super. Alléluia. La fidélité paye, bien-aimé. La fidélité paye. On te laisse là. On te donne un petit travail. Bien-aimé, tu le feras comme on te dit. Amen. Ne dérobe pas. Ne déplace pas les bornes. Alléluia. Quand tu commences à déplacer les bornes, quand tu commences à déplacer les choses d'autrui, quand tu commences à tromper ton mari, quand tu commences à tromper ta femme, tu n'es pas fidèle à ton poste, à toi. Tu n'es pas fidèle. Tu dois chercher la fidélité. Comment tu seras honoré? Tu ne peux jamais être honoré devant ton peuple. Samuel était honoré. Cet homme était honoré devant son peuple parce qu'il était fidèle. Il aimait son Dieu. Il travaillait avec un cœur pur. Pas il travaillait pour ses propres intérêts. Alléluia. Deuxième personnalité, nous voyons cet homme David. Il était fidèle à son poste, à lui. Là où son père a lui a donné du travail. David était, on l'a éloigné de sa famille pour ne plus pas bénéficier. David est maltraité là où il restait dans son coin avec le troupeau de son père. Il manquait de salaire, mais David fidèle à son travail. Même si que la maltraitance, David fidèle à son père. Fidèle à son travail. Pendant que ses aînés travaillaient, mais David
famille, il travaillait pour son père. Alléluia. Bien-aimé, si tu es fidèle à ton poste, c'est là que Dieu enverra son oint à lui. C'est là que Dieu enverra son ange à lui pour venir te bénir. Amen. À travers ta fidélité. Amen. Ne te déplace pas. Amen. Même si que tu es maltraité, reste là avec ta fidélité. Amen. Aime cette personne. Amen. Yes. Tu as cherché du boulot, bien-aimé. Attention. L'élévation te trouvera là. Amen. Commence avec ces petits salaires. Il y aura l'augmentation par rapport à ta fidélité. Ton PDG dira non, je vois cet homme et cette femme. Il y aura la promotion pour cet homme, pour cette femme. Amen. Alléluia. Bien aimé, il y a des gens qui ont commencé des huissiers, des portiers, mais ils ont quitté là directement. Bien aimé, on lui pose la question, où est ton diplôme à toi? Tu as étudié? Oui, j'ai étudié. Non, j'ai étudié, mais tu es fidèle à ton poste, même si tu n'as qu'un brevet. Viens. Alléluia. Yes. Là maintenant, Dieu commence à faire. Dieu commence à travailler. David y restait. David a risqué sa vie devant l'ours lion. Il ne gagnait rien. Il travaillait pour son père. Mais Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, préparait David dans son coin à lui. Tu es isolé. Tu es rejeté. Tu es fidèle. À ce moment-là, Dieu te prépare. Amen. Alléluia. Tu n'es pas rejeté. Tu peux être rejeté par tes copains, par tes copines, par les membres de ta famille. Tu es isolé. Ne t'inquiète. Sois fidèle. Sois fidèle. Dieu voit. Même si on te dit que non, tu es magicien. Écoute, il y a beaucoup des enfants qui sont rejetés pour le moment. Ils sont surnommés des sorciers. Mais ces gens-là ne se permettent pas d'ouvrir leur bouche, soit d'inciter leurs parents. Ils sont fidèles à leurs parents. Ils respectent leurs parents. Demain, vous verrez cet homme, une grande personne. Où elle a eu sa délivrance? Non, ce n'était pas le problème de délivrance. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas vu. Vous avez regardé à vos yeux que cette personne est sorcière. Or qu'elle n'a plus. Alléluia. Amen. Écoute, tout le monde aujourd'hui sont devenus des sorcières. Même si tu vois quelqu'un qui ne s'habille pas bien, elle est sorcière. Tu ne sais pas pourquoi elle est comme ça. Pourquoi la personne est dépassée, tu ne sais pas. Mais tu surnommes la personne. Qui t'a dit que non, elle est sorcière? Demain, après des années, tu courras derrière cette personne. Quand tu le verras dans un bureau bien assis. Waouh, j'avais péché contre cet homme. Contre cette femme. Non, il était fidèle. À travers vos injures. Il acceptait cela. Injuriez-les. Injuriez-la. Il accepte cela. La personne portait sa foi. Elle voulait monter. Elle a décidé de monter. Je n'ai que la fidélité. Il faut qu'il y ait aussi l'obéissance. Bien aimé, tu me chasses. Je dois t'obéir. C'est l'obéissance. Amen. Alléluia. Amen. Je suis fidèle envers toi. Tu me chasses dans ta maison. Parce que je suis sorcier. Parce que je ne donne rien. Oui, je dois obéir. Dieu va prouver cela. Je ne peux pas refuser. Tu m'as chassé. J'obéis à tes ordres. Maintenant que le compte a dit marioté, je resterai honnête. Yes. Je resterai juste. Je continuerai à aller célébrer le nom de Dieu. Amen. Même si je manque de quoi à manger, je continuerai à aller servir l'éternel Dieu. Je resterai honnête, droit, juste. Alléluia. Amen. Nous le trouverons dans 1 Samuel 16. 10 à 13.
Il est écrit, Isaïe fit passer cet de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune. Mais, il peut paître le brebis. Alors, Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oint-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Éternel, l'Esprit de l'Éternel, saisit David à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Alléluia. Amen. Il est quelque part, mais quoi? Tu voulais maintenant effacer ce que Samuel a dit? Mais quoi? Il est voleur? Mais quoi? Il est sorcier? Mais quoi? Il est incompétent? Incompétent? Non! Fais-le venir ici, là, devant moi. Ne passe pas la parole de Dieu. Pas question de virgule, pas question de mais. Tu dois continuer ta phrase à toi. C'est ton plus à toi, non? Pourquoi tu le caches? Dieu n'a rien trouvé devant tout ce que tu viens de me montrer, là, de me présenter. Il n'y a rien, bien-aimé. Écoute, je te dirai ceci. Peut-être que tu étais déjà choisi par Dieu. Ceux qui sont devant toi sont déjà rejetés par Dieu. Même ceux qui sont des militaires en Israël, même ceux qui donnent l'argent à la maison, ils font nourrir la famille, peut-être qu'ils sont déjà rejetés par Dieu. Il n'y a rien de spécial en eux. Tu te négliges pour rien. Tu as cette foi. Ne bafoue pas ta foi à toi. Reste-toi avec ta fidélité. Obéis-toi. Cherchez maintenant troisième fruit, troisième œuvre, d'être solide, d'avoir l'honnêteté, yes, d'être intègre. Amen. Pour que personne ne puisse te bouger. Amen. Que Dieu te déclare juste. Mm. Dieu te déclare droit. Alléluia. Mm. Attention. David était fidèle. Mais on était parti chercher David pour devenir roi d'Israël. Alléluia. Peut-être qu'il y aura un monsieur. Peut-être qu'il y aura une dame que tu n'as jamais entendu parler. Alléluia. C'est bien elle qui arrivera à te chercher. Alléluia. Selon le signe de l'Éternel. Bien-aimé, Samuel était juste. Samuel était fidèle. À des fois, Samuel a voulu faire quelque chose par sa volonté. Quand il a vu le premier fils d'Isaïe, vu qu'il était costaud, Samuel a dit, waouh, c'est bien lui. Lui, vraiment, peut bien être le roi d'Israël, peut bien me remplacer. Alléluia. Dieu a dit, non, il m'a foutu. Il était déjà rejeté depuis. Ne regarde pas l'intérieur, mais moi je regarde l'extérieur. Ne regarde pas l'extérieur, moi je regarde l'intérieur. Voilà pourquoi je vous dis à tout moment, un être humain est incapable d'avoir l'intérieur de toi. Il peut voir l'extérieur de ta vie, mais à ce qui est l'intérieur de toi, ce n'est que Jésus qui témoignera pour ta vie. Ce n'est que Jésus qui témoignera pour ta vie. Alléluia. Amen. Obéissance. Je viens de vous parler de cet homme Abraham.
dans Genèse 12, 1 à 9. Dieu a promis à Abraham. Dieu a dit à Abraham de sortir dans la maison de son père. Abraham a obéi. Il n'a jamais discuté. Il a obéi à l'ordre de Dieu, de son créateur. Abraham est sorti. L'obéissance. Alléluia. Amen. Il était parti. Dans la vie, il ne faut plus être désobéissant, désobéissante. Nous devons obéir. Moïse a voulu, avait refusé devant le buisson ardent. Il a risqué sa vie. C'est une étrangère, sa femme, Séphora, qui l'avait sauvé. Après avoir accepté de retourner en Égypte, Dieu l'attaqua. La Bible dit pas Satan, mais Dieu l'attaqua au cours de la route. Mais sa femme lui avait sauvé. Alléluia. Évitons de refuser aux ordres de Dieu. Quand Dieu te dit quelque chose, Dieu ne peut jamais t'envoyer quelque part pour te faire mourir. Non. Moïse a eu peur. Dieu a dit, écoute, tous ces gens-là sont déjà morts. Retourne-toi en Égypte. Va délivrer mon peuple. Va faire mon travail à moi. Dieu te demande quelque chose, tu refuses. Mais dans ta bouche, j'aime beaucoup mon Dieu. Je suis fidèle. Tous les jours, je suis à l'église de Dieu. Tous les jours, je parle à l'église. Mais quand Dieu te dit quelque chose, oh non, pas ça, Seigneur. Cherche quelqu'un d'autre. Ce n'est pas l'obéissance. Tu fais repousser que ta bénédiction. Tu fais repousser que ton élévation. Tu fais repousser que ce que Dieu a réservé pour toi. Tu n'auras plus jamais en toi une foi forte, une foi vivante. Amen. Alléluia. Amen. Intègre ou intégrité. Là maintenant, dans Genèse 17, verset 1 à 2. Genèse 17, 1 à 2. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. Dieu demandait à Abraham de marcher devant sa face, mais d'être intègre. Ce n'est pas de marcher devant la face. Entre temps, à toi, il n'y a pas l'intégrité. Il n'y a pas la justice. Dieu est droit. Dieu est juste. Dieu est honnête. Tu dois faire route ensemble avec Dieu, avec l'honnêteté, avec l'intégrité. Ce n'est pas que tu marches avec Dieu. On te tire à droite, pour tu laisses Dieu. Non. Si nous pouvons bien continuer dans le verset 3, la Bible dit, Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Alléluia. Amen. Quand Dieu a dit à Abraham, Abraham a accepté cela. Aussitôt Abraham tomba, il adorait Dieu. J'accepte, Seigneur. J'accepte de marcher devant ta face et puis d'être intègre. Alléluia. Amen. Dieu avait besoin de bénir Abraham depuis. Mais cet homme ne comprenait pas. Voilà pourquoi, bien-aimé, je te dirai ceci. Pour que ta part à toi puisse être forte et vivante. Tu dois quitter les choses de ce monde. Quand Dieu te fait l'appel, sors-toi seul. Ne cherche pas ta femme, ni ton mari, ni tes enfants, ni tes biens, ni les richesses de ce monde. Ta foi sera affaiblie. Alléluia. Amen. La foi d'Abraham ne pouvait jamais devenir forte. Sarah était là. Les brebis étaient là. Les serviteurs étaient là. Il a fallu qu'à un moment, Abraham puisse aller chercher la face de Dieu. Mais Sarah était là. Abraham avait besoin des enfants.
ne pouvait jamais laisser sa femme comme ça. Un moment, il y a un moment de retir, de recul. Tu quittes un peu ton lit de chercher la face de Dieu. Tu cherches la volonté de Dieu. Tu restes là, les brebis sont là. Tu es obligé de faire comptabilité, de payer tes travailleurs. Tu es distrait. Il y a toujours la distraction. Sarah est là. Oui, Abraham a donné la dîme. A donné sa dîme. Il était encore Abraham. A donné sa dîme. Mais rien n'a changé. Voilà pourquoi je te dirai ce soir, bien-aimé. Tu peux donner tes offrandes, tes dîmes, tes aumônes. Alléluia. Mais si ton nom ne change pas, hein, laisse-moi te dire en vain. Amen. Tes dîmes à toi, tes offrandes à toi ne te fera plus jamais entrer au ciel. Tu ne seras jamais prouvé par Dieu par rapport à tes offrandes, tes dîmes à toi. Amen. Je suis clair dans mon message. Donne tes dîmes à toi, sois intègre, sois juste, sois droit, sois fidèle, sois obéissant. Alléluia. Dieu n'est pas un binto. Dieu n'est pas un permis. Tu viens, tu sèmes. Demain, tu récolteras. Bindo comme Melayo. Alléluia. Nguma sans agate. Vous savez combien de personnes se sont vendues leur parfum pour aller donner l'argent à Nguma. C'est pas au sans agate. Batumingi va aller là. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont pleuré du Congo. Ah, mon frère, tout son salaire est parti. Il n'a rien dit à la maison. Ah oui, tu obéis dans Nguma. À sans agate. Alléluia. Nous sommes en Nguma, la yote. Dieu n'est pas ton serpent pour affamer ce que tu as donné à ton pasteur. Alléluia. Amen. Je te dirai une chose, ce n'est que la vérité. Quand tu sèmes quelque chose dans l'église de Dieu, bien aimé, il faut que cette chose-là puisse construire dans l'église de Dieu. Amen. Si tu viens à l'église de Dieu, tu ne trouves pas cette chose-là. Et tu vas dans la maison de ton pasteur, tu trouves cette chose dans la maison de ton pasteur. Laisse-moi te dire, en vain. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Dieu n'a pas besoin de ton argent. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais Dieu a besoin de ton intégrité, de ta justice, de ton obéissance. Oui, c'est bien de soutenir l'œuvre de Dieu. C'est bien d'acheter quelque chose pour l'église de Dieu. De bien d'embellir l'église de Dieu. C'est bien. Mais il faut que tu trouves cela dans l'église de Dieu. Pose-toi des questions maintenant. La chaise que je viens de jeter, je ne vois pas, je ne la vois pas dans l'église. Ça se trouve hein, où? Fasse un vilain tour dans la maison de ton pasteur. C'est là que tu la trouveras. Si tu as quelque chose de donner à ton pasteur, fasse-le, fasse-la. Tu peux le faire. Ce n'est pas mauvais. Mais si la chose est destinée pour soutenir l'œuvre de Dieu, que l'homme de Dieu puisse laisser cette chose-là dans l'église de Dieu. Alléluia. Nous donnons nos dîmes pour que la dîme puisse soutenir l'œuvre de Dieu. Attention. Oui. Celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Celui qui travaille à l'évangile mange à l'évangile. Alléluia. Mais ce n'est pas d'amener, d'apporter toutes les dîmes dans ta maison. Dans l'église de Dieu, il y a aussi des lévites qui travaillent. Que moi j'appelle souvent des leaders secondaires. Alléluia. Amen. Si ton pasteur, si toi, pasteur, tu as ton salaire à toi, tu dois recevoir ton salaire à toi. Vous devez s'occuper aussi de ceux-là qui travaillent. Dans l'église de Dieu, qui vont s'occuper maintenant de veuves, des orphelins, des pauvres. Et demain, tu viendras dire que non, j'ai la foi. Ce n'était pas la foi qui était à Samuel. Il n'a jamais déplacé les choses de Dieu. Il prenait son salaire, il laissait ce qui est de Dieu.
Il prenait ce qui lui appartient. Il le sait, les choses de Dieu. Alléluia. Prends ton salaire à toi. Tu travailles là. Amen. Bien-aimé, dans les 10 commandements, Dieu n'a pas dit dans les 10 commandements, à travers ta dîme, que ta famille sera sauvée. Non. Que à travers ta l'élévation. Non. Lisons nos Bibles très bien. En commençant par le premier commandement jusqu'au 10e. Nous allons bien comprendre. La dîme, ça fait partie des principes que Dieu a donné pour Bosuinayo. Alléluia. Mais comment? Je ne te séduis pas pour venir donner tes dîmes à toi et puis demain tu récolteras. Alléluia. Amen. Ce sont des principes. C'est le principe de Dieu. Ça ne fait pas partie de la loi. Tu peux donner tes dîmes à toi, mais tu n'obéis pas à la loi de Dieu. Tu es à côté. Tu es à côté, totalement à côté. Obéis aux lois de Dieu, donne tes dîmes. Dieu te bénira. Mais à une seule condition, que ta foi soit vivante. Alléluia. Amen. Que ta foi soit vivante. Bien-aimé, je vous dis des choses vraies. Il y a beaucoup de monde qui sont dégoûtés maintenant. Tout dégoûté. Nous, les pasteurs. D'autres gens ont dégoûté même Dieu. Jusqu'à tel point. Parce que ça fait si longtemps, 10 ans, ils donnaient leur dîme. Mais rien ne change. Leurs travaux sont dévorés. Ils manquent même du boulot. Leurs commerces sont dévorés. Mais ils respectent leur dîme. Ils donnent leur dîme chaque fin du mois. Alléluia. Alors dis-moi maintenant, où ça part toute leur dîme? La raison est que, bien aimé, tu donnes ta dîme à toi, mais toi-même, tu n'es pas digne. Tu n'es pas droit. Tu n'es pas juste. Tu n'as pas une bonne communion avec Dieu. Il n'y a pas une bonne relation entre toi et Dieu. Tu donnes ta dîme à toi et non à Dieu, mais à ton pasteur, à toi. Or que ton pasteur à toi est incapable de te bénir. Moi, je dis clairement, je suis incapable de te bénir. Celui qui te bénira, c'est lui que moi je sers. On est que des simples messagers, des simples instruments que Dieu est en train d'utiliser. Ce n'était pas Gabriel qui était venu bénir Ève, plutôt Marie ou Élisabeth avec son mari Zacharie. Non. Gabriel était envoyé par Dieu. Va bénir ma fille. Nous sommes des envoyés de Dieu. Va prêcher mon message. Va annoncer ma bonne nouvelle. Va devant cette personne. Tu seras utilisé. Cette personne sera délivrée à travers toi. Mais c'est Dieu qui fait tout. Tu présentes tes dîmes à toi. Et tu diras que non, j'ai la foi. Parce que tu donnes les dîmes. Tu donnes quelque chose à ton pasteur. Tu dis que non, j'ai la foi vivante. Hein? Ça, ce n'est pas la foi vivante. Ta foi est morte. Parce qu'à toi, tu n'as pas l'intégrité. Tu n'as pas la fidélité. Tu n'as pas l'obéissance. Tu sèmes à vain. Demain, tu deviendras chômeur. Mais tu as beaucoup sémé. Chaque fois, tu donnais tes dîmes, tes offrandes à toi. Alléluia. Amen. Je ne te refuse pas de donner tes dîmes. Mais je dis carrément, donner tes dîmes, toi-même, tu sais très bien que non. Je n'ai pas une bonne relation avec Dieu.
Mais je vais donner quand même. Tu récolteras quoi? Tu es pécheur, pécheresse. Même si tu pries devant Dieu, il ne peut jamais écouter ta prière. Seigneur, je vais donner ma dîme à toi. Écoute ma prière. Il ne t'écoutera pas. Parce qu'il y a une séparation entre toi et Dieu. Dieu dit, marche devant ma face et sois intègre. Quand Abraham a entendu cela, il adorait Dieu. Il accepte cela. Aussitôt Dieu a scellé son alliance avec Abraham. Mais pas aussitôt Dieu a béni Abraham. Il a fait Abraham alliance, mais pas aussitôt. Il a promis encore Abraham. Dans le verset 4, il dit, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Abraham travaillait que pour son peuple. Abraham travaillait pour son peuple. Tu deviendras. Dieu a scellé son alliance avec Abraham. Parce qu'il a accepté de marcher dans l'intégrité. Dieu a scellé son alliance. Mais tu deviendras dans les temps futurs. Alléluia. Ce n'est pas aujourd'hui. Tu viens dans le Seigneur et aujourd'hui tu veux qu'on puisse te donner le mariage. Où est ta foi? Où est ton intégrité? Tu es encore ami de tes péchés, ami du monde. Parce que tu sèmes, parce que tu donnes tes dîmes, tu donnes tes offrandes, il faut, tu obliges. Non, tu ne peux pas obliger Dieu. Tu dois accepter le principe, la loi de Dieu. Tu obéiras à la loi de Dieu. Et tu auras la promesse de Dieu. Le jour viendra, je te donnerai. Amen. Pas aujourd'hui. Amen. Dieu est Dieu. S'il pousse cela, il sait, peut-être demain, tu me régneras. Amen. Ta foi n'est pas encore forte. Amen. Alléluia. Abraham, malgré tout, cet homme a donné sa dîme à Melchisedec. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Amen. Il était séduit par sa femme parce que l'intégrité lui manquait. Tu me diras quoi? Dieu m'a confié sa mission, sa vision. Et puis demain, ah ben oui, c'est sa femme qui l'a fait tomber. Alléluia. Oui, je suis induit en erreur parce que je manque en moi l'intégrité. Parce que je ne suis pas honnête. Je ne suis pas juste. Je n'ai pas la parole de la vérité en moi. Si je suis honnête, intègre, je ne peux jamais accepter les propos de mon épouse. Nous accusons beaucoup plus les femmes des hommes de Dieu. Parce qu'il n'a pas une bonne femme. Voilà pourquoi cet homme a échoué. Voilà pourquoi son ministère par terre. Le culte de Dieu par terre. Non, c'est parce que lui-même, la personne en question, n'est pas intègre. Si tu as l'intégrité, tu chasseras le propos de ta femme. Elle voulait te faire sortir dans le chemin de Dieu. Dieu dit dans Deutéronome, tue-la. Si je refuse de la tuer, moi je serai perdant. Alléluia. Moi je serai perdant. Si elle me dit en erreur, Dieu me posera la question. Écoute, lisons la Bible est très bien. Dans le jardin d'Éden, Dieu a confié la mission à qui? À Adam. Dieu a enseigné Adam. Mais Adam était séduit par sa femme. Quand la colère de Dieu s'enflamma, Dieu a chassé Adam. Lis dans ta Bible bien. Dieu n'a jamais chassé à Ève. Il a chassé Adam.
Dieu a maudit l'homme, la terre, le sol à cause de l'homme. Sors dans mon entreprise. Dieu n'a jamais chassé Ève. Il a chassé Adam. Parce qu'il avait confié sa mission à l'homme. C'est l'homme qui a pris sa femme de partir ensemble. Alléluia. Amen. Nous devons faire beaucoup d'attention. Tu es parent responsable. Tu dois respecter les ordres de Dieu. Tu dois bien suivre les règles de Dieu. Ne te dis pas en erreur. Que personne ne te fasse tomber. Il a donné sa dîme à Melchizedek. Mais la Bible dit Abraham est vainqueur des vainqueurs. Mais il était séduit par sa femme. Jusqu'à ce que Abraham est parti perdre la femme avec Agar, une égyptienne. Abraham a eu Isaac. Seigneur, voici Ismaël plutôt. Voici Ismaël. Ce n'est pas ça que Dieu te demande. Ce n'est pas ça la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas ça la promesse de Dieu. Parce qu'il lui manquait l'intégrité. Abraham était fidèle, était obéissant vis-à-vis de son Dieu. Mais l'intégrité lui manquait. Dieu pesait partout pour qu'Abraham puisse avoir l'intégrité d'être juste. Voilà pourquoi Dieu dit dans sa parole, il n'y a même pas un homme qui est juste sur la terre qui fasse le bien. Alléluia. Dans Genèse 22, 1 à 19, là nous voyons aussi l'épreuve d'Abraham. Alléluia. Waouh! Abraham est devenu homme. Il n'est plus Abraham maintenant, Abraham. Alléluia. Abraham a regardé à lui, non. J'étais trompé par ma femme. Cette fois-ci, non, je cacherai à ma femme. Même si que je t'aime beaucoup. Si cela ainsi dit l'Éternel, que je ne te dis rien, je cacherai cela. Alléluia. Jusqu'à ce que ça sera accompli. Alléluia. Abraham a compris. J'ai maintenant la maturité. Bien aimé, tu pries, tu es homme de Dieu, femme de Dieu, mais la maturité te manque. Quand est-ce que tu auras la maturité? Tu ne peux pas te dévoiler tous les jours, chaque fois à ton femme, à ton mari. Pendant que tu viens de parler avec ton Dieu un problème secret. Abraham a dit non, j'ai été trompé par mon épouse. Je fais Ismaël par erreur de mon épouse. Parce que je manquais l'intégrité. Parce que je manquais la maturité. Cette fois-ci, j'ai la maturité. J'ai l'intégrité. J'ai juste, je suis devenu juste. Ah non, Sarah, je t'aime beaucoup. Mais à ce qui concerne le secret de... Ah, reste-toi là. Alléluia. On arrive. Chérie, on arrive. On part quelque part. Au revoir. À tout à l'heure. À demain. Oui, chérie, à demain. Mais Abraham est parti sacrifier le fils. Il ne pouvait jamais dire la vérité, dévoiler son secret à Sarah. Parce que Sarah aussi, si longtemps cherchait enfant, aucun parent, aucune femme acceptera cela. La mission a été confiée par Abraham et non à Sarah. Sarah profitait de la grâce de Dieu à travers son mari. Elle profitait de la bénédiction de Dieu à travers son mari. Si Sarah n'épousait pas Abraham, elle pouvait bien rester stérile. Parce que Abraham, il avait sa semence en lui. Voilà pourquoi il a fait l'enfant avec Agar. C'est Sarah qui était stérile. Abraham est parti. Là maintenant, Dieu a dit oui.
Tu as maintenant l'intégrité à toi. Tu as la maturité. Tu es maintenant droit. Dieu a justifié Abraham. Jusqu'à ce qu'Abraham a étalé son enfant. On lui a posé la question à son enfant. Je vois ceci. Je vois ceci. Où est l'agneau? Je pourvoirai. Dieu pourvoira. Nous devons arriver là, dans ce niveau-là, bien-aimé, d'avoir cette honnêteté, cette intégrité. Dieu pourvoira. Tu es insulté, pas de problème. Dieu pourvoira à tous mes besoins. Amen. Je continuerai à faire l'œuvre de Dieu. Amen. Fasse comme vous voulez, Dieu pourvoira. Amen. Tu ne peux jamais échouer. L'échec n'est pas la fin du monde pour toi. L'échec, ça te fera grandir. Amen. Ça te fera corriger d'autres choses. Amen. J'ai échoué parce que je manquais ceci. Amen. Je vais maintenant corriger. Amen. L'échec n'est pas la fin du monde. L'échec n'est pas la mort pour toi. Amen. Au moment de l'échec, tu dois progresser. Amen. Pose-toi maintenant des questions. Pourquoi j'ai échoué? Yes. Pourquoi ceci? Tu dois avancer quand tu répareras la chose. Dieu pourvoira. Dieu dit à Abraham, regarde derrière toi. Ce n'était pas demain. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Dieu pourvoira. Dieu a entendu la voix d'Abraham, la parole d'Abraham, la demande d'Abraham. Pour Abraham, regarde là-bas, derrière toi. Ton fils a demandé l'agneau, je te donne le bélier. Je vois maintenant ta justice à toi, ton obéissance, ta fidélité, ton intégrité. Voici l'agneau. Ta foi est forte maintenant. Amen. Lève-toi et marche. Pas non plus, rentre à la maison. Amen. Vous êtes bénis. Amen. Tu as maintenant une foi forte. Abraham a pris son enfant. Amen. Seigneur, sois loué. Dieu pourvoira. Dieu a prouvé. On part. Là, Sarah, noir sur blanc. Même si que, après cela, elle était fâchée sur son problème. Mais Abraham a accompli la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voir cet homme aussi. Je suis presque à la fin de mon message. Voir cet homme. Job, dans Job 2, 1 à 10. La Bible nous dit dans Hébreux 11, première, la foi est une ferme assurance. Alléluia. Où sont l'assurance de ta foi? Est une ferme assurance. Je lis la parole de Dieu, Job chapitre 2. Verset 1 à 10. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Alléluia. Amen.
pour que Dieu puisse frapper sa poitrine en faveur de nous. Alléluia. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu. Et se détourna du mal. Il demeure ferme de son motif. Bien-aimé, Dieu a tout dévoilé devant le pauvre diable. L'identité de son serviteur Job. Un homme intègre et droit, craignant Dieu. Et tu m'excites de ne perdre sans motif. Bien-aimé, si tu as des frappes aujourd'hui, si ce n'est pas les épreuves, peut-être tes marches à toi, nos conduites à nous. Si Satan nous bouscule, bien-aimé, attention, il faut discerner. Ne sois pas pressé de dire sur l'épreuve l'identification de cette situation. Si c'est l'épreuve, c'est bon. Si ce n'est pas l'épreuve, Satan a pris la place. Tu as donné la place au pauvre diable. Dieu a frappé sa poitrine. Dieu a dit à Satan que non, mon serviteur Job, il n'y a aucune personne sur la terre. Aucun homme sur la terre qui est comme mon serviteur Job. Intègre et droit, craignant Dieu. Alléluia. Amen. Il se détourna du mal. Nous disons souvent, je suis intègre. Je me suis marié avec Jésus. Mais la haine est là. La colère est là. La jalousie est là. Les mensonges sont là. Répandons-nous de toutes ces choses négatives. Ça fera blocage à nos foies. Ce ne sont pas les œuvres de la foi. Nous devons nous détourner du mal. Abandonnons les péchés. Abandonnons les négativités. Ce ne sont pas les fruits de l'esprit. Ce sont les fruits du pauvre diable, les fruits de la chair. Non. Jésus pleura. Parce que Lazare était mort. Bien-aimé, tu souffres. Nous souffrons. Dieu ne pleure pas. Dieu ne se lamente pas. Dieu ne regrette de rien. Alléluia. Amen. Jésus partait déjà. Il sortait déjà de cette ville. Seigneur, Lazare est mort. Waouh. Faut que je me retourne. Mais maître, on te cherche. Tu seras lapidé. Pour Lazare, j'ai décidé de mourir. Je préfère mieux mourir pour Lazare. Alléluia. Amen. Mais personne n'a touché Jésus. Parce qu'il faisait encore jour. Alléluia. Amen. Jésus pleura. Parce que Lazare était mort. Dieu dit, mon brave serviteur, Job. Dieu dit, l'homme selon mon cœur à moi. Alléluia. Amen. Nous sommes dans quelle position? Nous sommes dans quelle direction, s'il vous plaît? Évitons de chanter, bien-aimé. Et évitons de critiquer. Amen. Alléluia. Amen. Ah, celui-là seul a pris beaucoup, hein. Il y a mon raocote à l'eau, là. Éteigne-toi. Ce n'est pas ton problème à toi. À côté à l'eau, là, à côté à tête, éteigne-toi. Ce n'est pas ton problème. Occupe-toi de ton problème à toi. Occupe-toi de ton problème à toi. Répentons-nous. Nous devons nous repentir de nos péchés. Si nous voulons avoir une foi forte à nous. Amen. Trop de négativité. Nous sommes devenus des méchants plus que les païens. Et puis des
jamais nous dirons que nous j'ai la foi. Quelle foi? Fausse foi. Dieu a besoin de la vraie foi. Qui ne sera jamais ébranlée. Qui ne sera jamais bougée. Jésus dit à ses disciples, vous n'avez pas la foi. Parce que la tempête bougeait le bac. Jésus dormait. Les disciples, Seigneur, Seigneur, nous périrons. Pourquoi tu dormais? Paix de foi. Jésus est en toi. Je me suis marié avec Jésus. Mais paix de foi. Alléluia. La foi est là et disposée. Pourquoi tu as peur? Oui, je peux comprendre, nous pouvons bien comprendre. Nous avons la peur en nous parce qu'il y a encore les œuvres du diable en nous. Notre foi est morte, n'est pas vivante. Si notre foi est vivante, nous ne pouvons jamais avoir la peur en nous. Amen. Alléluia. Amen. On te dit, bien aimé, je te ferai quelqu'un dans les temps qui viennent. Tu auras ton enfant. Waouh, Dieu a prophétisé pour toi à travers une personne. Mais tu n'as pas écouté. On te parle. Il y a une servante. Il y a un prophète. Il vient des États-Unis. Waouh, waouh, Okimi, où est ta foi? Même si que la prophétie tarde, attends-la. S'accomplira certainement. Amen. Dieu n'est pas un menteur. Amen. Dieu n'est pas un menteur, bien-aimé. Reste là. Sois fidèle. Ne sois pas ébranlé. Ne te titube pas. Alléluia. Amen. Il y a un homme de Dieu vient de Nigeria. Beaucoup de gens ont été en français, anglais, maintenant espagnol. Parce que vous trouverez l'onction. Na anglais, na espagnol, na dutch. C'est lui qui prêche à Lingala, n'a pas l'onction. Alléluia. Amen. Ah, bino kaka mate à Lingala, Lingala. Onction qui parle la langue. Amen. Onction qui parle la langue. Un sourd peut imposer la main selon le signe de l'Éternel, aux guérisons. Amen. On connaît comme nous connaissons. Quelqu'un qui ne parle pas. Bien-aimé, j'ai travaillé chez Sonic Afuta. Il y avait un homme de Dieu qu'on a fait le cours ensemble. Laisse-moi te dire, cet homme ne savait ni lire ni écrire. Cet homme était minimisé, mais pasteur, il dirigeait l'église. Il faut qu'on puisse lire pour lui. Et puis, le Saint-Esprit est toujours la personne. Mais ce jour-là, la personne a dit, l'homme de Dieu a dit, Seigneur, je me suis fatigué de ça. Pourquoi tu m'as oint? Pourquoi tu m'as appelé? Je vais parler moi-même. Je vais lire moi-même. Je vais prêcher moi-même. Je n'ai pas étudié, mais en français. Alléluia. Un jour, l'homme de Dieu est passé devant, croyant qu'il y aura une personne qui va lire pour lui. Non. L'homme de Dieu a ouvert sa Bible. Dieu dit ceci. Dieu dit ceci. Prenons nos Bibles. Dans tel passage. Dans tel passage. L'homme de Dieu a commencé à lire. Alléluia. Il ne savait ni lire ni écrire. Mais sa foi était vivante. Amen. Forte. Amen. Il craignait Dieu. Amen. Il marchait en harmonie avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a opéré les miracles. Amen. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Amen. Le temps des miracles ne te passera plus jamais. Amen. Ça peut te passer si tu laisses ton poste à toi. Tu cours derrière un homme qui parle anglais, qui parle dutch, alléluia, amen, qui parle hébreu. Oh! Il faut que j'aille à. Si c'est. À où c'est là? À Israël. Prenez à côté un qui est hébreu. Alléluia. Mais tu as des cons qu'on a dans votre église qui ne parle pas français. Tu voulais prêcher en hébreu. Dieu résiste aux orgueillés. Il fait grâce aux humbles. L'onction n'est pas là. Là où il y a l'orgueil. Reste là. À travers ta langue, à toi, Dieu fera des grandes choses. Alléluia. Bien-aimé, ne te limite pas.
Tu peux étouffer ta foi à toi. Tu as une grande foi, mais tu as honte d'aller évangéliser parce que je ne sais pas placer des mots. Tu n'es pas français, française. Amen. Tu es congolais, congolaise. Amen. Tu es angolais, angolaise. Amen. Vas-y. Amen. Va qu'on comprendre, yo. Amen. Saint-Esprit, qu'on va la place, là, yo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. David dit, j'ai été jeune, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité demander le pain. Amen. Non, ce n'est pas ce Dieu-là. Sois intègre. Amen. Là où viendra ton élévation, tout le monde sera étonné. Ah, je parle à une personne ce soir. Tu seras, ils seront étonnés. Beaucoup de gens seront derrière toi. Qui a déjà vu les étoiles? Laisse-moi te dire, il y aura des anges qui viendront t'adorer, adorer ton Dieu à toi. Nous avons vu quelque chose en toi. Tu as vraiment le vrai Dieu. Montre-nous ton Dieu à toi. Tu as une grande foi. Amen. Parce qu'ils ont vu ton intégrité. Amen. Abandonnons le mal. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous verrons la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras cela. Amen. Si tu refuses de croire, allez, laisse-moi te dire. Okomona kaka minchet na minchet. Alléluia. Amen. Continuons la lecture. La Bible dit, 4. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il les donne pour sa vie, mais étant ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te livre seulement, épargne sa vie. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Alléluia. Amen. Celui qui a le dernier mot dans ta vie, c'est Jésus. Amen. Ce n'est que Yeshua Mashiach. Je vous dis à tout moment, moi je ne crois pas. Même si on dit que le sorcier Adamé a bouffé cet homme-là, cette femme-là de Dieu, cette personne-là, montre-moi. Et si Kalogo Kamutelongwe, montre-moi là où les sorciers ont mangé cette personne. Pourquoi donnez-vous le pouvoir au pauvre diable? C'est Dieu qui retire le souffle. Dieu peut te livrer devant le pauvre diable pour lui faire voir, je suis Dieu, tu es mon serviteur, tu es ma servante. C'est lui qui a le pouvoir de te faire mourir, Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Pas le pauvre diable. Amen. Écoute, je te dirai une chose. C'est un secret de Dieu. Diable ne le connaît pas. Qui a le pouvoir de tout faire, tout le souffle qui est à toi? D'abord, on ne peut pas voir le souffle. On ne peut pas toucher le vent. Amen. Alors, dis-moi maintenant, ce sorcier, cette sorcière a étouffé la personne, a tenu le souffle d'ailleurs, à quel endroit? Wapi! Où est le souffle entre ses mains? Pourquoi on peut se sentir dans mon pouvoir? Il est sous nos pieds. Soit tu n'as pas la foi. Voilà pourquoi tu donnes la force au pauvre diable. Amen. A souple noir. Nous avons la table au carreau pour être bien grave. Ok. C'est fini. Même tu as au léki. Bien aimé, on sent quand on peut bien dire ouh. Elle me sauve une femme dans léki. Il vient de passer à quelle heure? Alléluia. La Bible dit, puis il va pas Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit des sons pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit,
Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu. Amen. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous recevrons pas aussi le mal. À tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Alléluia. Bien-aimé, si Abraham avait l'intégrité dès le début comme cet homme, il ne pouvait jamais avoir 100 ans pour avoir Isaac. Non. Voilà pourquoi tu as maintenant 45 ans, 50 ans. Tu n'as pas encore eu ce que tu demandais. Parce que toi-même, tu peux repousser ta bénédiction. Je dis à tout moment, nous sommes les premiers, la première sorcière de notre vie. Amen. Ne cherchons pas celui qui est à côté de toi. C'est ta haine à toi qui pousse ta bénédiction. Yes. C'est ta haine, ta jalousie à toi qui fait que notre Dieu ne puisse pas être séduit. Amen. Nous sommes les premiers, la première sorcière de notre vie. Amen. Ne cherche pas le sorcier de ta vie en dehors de ta vie. Toi-même, regarde dans ta vie. Si tu n'as pas la haine, si tu n'as pas la colère, la jalousie. Amen. Tu as fait ouvrir tes portes à toi. Voilà, le diable a eu l'accès d'entrer. Parce que tu envies que les gens. Tu ne veux plus voir les gens progresser. Tu connais son intimité avec Dieu. Amen. Non, attention. Il faut acclamer Dieu. Il faut glorifier Dieu parce que ma chair a eu un mari. Amen. Mon frère a eu une belle femme. Amen. Acclame Dieu. Amen. Dis Dieu merci. Amen. Mon tour encore viendra. Amen. Mais il ne faut plus avoir la haine à toi. Amen. Ni la jalousie. Amen. Et tu dirais que non, ma foi est forte. Non, ta foi est morte. Oui. Ta foi n'est pas vivante. Amen. Voilà pourquoi nous, les hommes de Dieu, nous sommes devenus le médiateur entre les brebis de Dieu ainsi que Dieu. Or, que la Bible me dit, nous avons que c'est le vrai médiateur. Amen. Nous sommes devenus des intercesseurs des brebis de Dieu. La Bible me dit, nous avons que c'est le vrai intercesseur. La Bible me dit, nous avons que c'est le vrai avocat. Amen. Ma fille, mon fils, donc ceci, tu auras ceci. Je prierai l'éternel Dieu à ta faveur. Tu auras ça. Tu sais très bien que non, il vient de coucher avec la femme de toi. Mais tu lui demandes quelque chose. C'est du vol. Je dis souvent, c'est du vol. Nous ne pouvons jamais continuer à encourager que le mal. Amen. Alléluia. Amen. Le moment est venu. Le temps est proche. Il est de retour. Il reviendra. Amen. Jésus revient. Amen. Pas il vient. Il était déjà venu. Nous devons corriger notre français. Amen. Jésus reviendra. Amen. Il sera de retour. Amen. Pour juger, condamner. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Tu seras justifié à travers ta foi vivante. Bien-aimé, pas à travers tes biens à toi. Tu es rempli de bénédictions. Tu sèmes dans l'église. Tout le monde te voit. Tu as beaucoup d'argent. Tu es belle. Tu t'habilles bien. Ça ne te fera plus jamais entrer au ciel. Tu seras justifié que par ta foi vivante. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Amen.
bana yo ezali nguya solo na lati yango lokola sapato na makolo eli bana yo ezali nguya oli lo bana yo ekobiki sapato na bapasi eli bana yo ezali nguya pour le bezaye moko alléluia aya aya ya solo batel mi so a poco alelo que foi alléluia moko yesu la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu amen sans koyo kalilo bana nzambe ko ndima e ko yate amen ni lo bezaye moko nzambe la parole a été faite chair nzamba pe sa biso Maloba oyo ko mama po e dévoiler biso Yesu oyo asa parole vivante. Amen. E ya solo nzamba pambola papa. Amen. Pointe alobi makambo mutu ya na pokwa na lelo. Amen. Moko na moko na biso ayebi ko ndimaleza na niveau nini. Amen. Se ko niva ko ndimaleza na lusangisa sangisa na biloko ya Satan na moko na biso ayebi position oyé azaleli. Amen. Me na pokwa lelo batei biso poko ndima na biso ezala forte et sengeli to sale la bazèvre oyeza ya foi balobi na to sale la fidélité to sale l'obéissance to sale la intégrité na koki jamais ko zalantier na zo sambela nzambe et na sale la kananga lisusu satana muto aza fidèle pa na nzambe Nzamba ko pambole toujours. Amen. Nzamba zaka toujours derrière maloba nae. Ce qui va patron ya mokili oyo, baza ko élever batu pour la fidélité o ba moni na mutu. Bongo nzambo ya kela mutu, afuta fidélité te o ya zo mo le pa na mosali nae. Amen. Nzamba ko futa kabiso un jour. Amen. Mutu oyo aza fidèle pa na nzambe, nzamba ko yeba toujours ko pambole. Ata ba choli o lelo, ata ba seki o lelo, ata ba lobi ba ko lo ba po na yo. Mais ceux qui osent toujours fidèles et pas dans Nzambe, tôt ou tard, papa l'obé batoua ba koya ko adore Nzambe, o ya yo. Donc, tôt boua kabe ponjite, tôt renye Nzambe na bisote, pour na ba situation, mam sto koye ko kouta na nango na mokili. Mais tôt continue kondima. Bible l'obé, moutoua kondima ta moula kane na o ya zo mona te, na o yo ya zo sentir te, na o ya zo yo ke pa batu te, me na o yo ya zo ndima. C'est-à-dire, so ko zo ndima li loba na Nzambe, Nzamba za derrière li loba na ye, ako sa nini, ako kokisa yango. Po batu bako ko chola yo, so mona nene ba o chola yo. Batu bako olo ma mabe na sije na yo, so yo ka denge ba zo loba na yo. Ce qui osa muto kangama na Yesu, te so ki Yesu azwa misisa kati na yo te, oko sede, obuaki, olobia Na solo na paye suti le lo komo tena nu na zui. Mais mon sou nzamba zo tala yo, azo kolisa yo, azo sale la vie na yo histoire. Pour l'obita mwa ko tombo la yo, kaka bato ba seka ki yo, bato ba chola ki yo, se mon ngalo bi epai ba seka ki yo, nden kola ko tombo la yo. Epai ba chola ki yo, nden kolo a ko tombo la yo. To sale la. O bate biso na poko na lelo papa lo bi ebele e mako na mako na biso azui soki na bina ba lo bana komi pe ebele na ba revelation pe ebele alors nzambo azane nzambe ata mako ni to tele makolo ba e ko bana ko bimaka malembe malembe me na poko lelo nzamba pe si biso bile o esa ya munene ya kitoko mako na biso ali ata la niveau ni o ye aza Tamo batea kali loba mtu moko tena sea mwe za ha Parfait Biso nyo soto zwa kako ute pa na nzambe A chaque jour O nzamba tele makapwa loba To zwa ka implis na bomu ina biso To yaki na laboratoire ya nzambe Oyo moko na biso Atali si makila na ye moko na biso amoni salite pa yuapi makila na ye Ezali Non sita dita mtu zwa li boso na nzambe mtu na mtu Aeba kako zwa o ezali Ya ye Tika nzamba pambo la biso A pambo la mosali na ye Na oyo ya lobe biso na poko na lido Amen Tokangi misu na biso
Nebike, tosa ne bela ko lobe pa ina nzambe. Mais tosa na tango muki e kati ne sika o. Mais moko na sota ngwa ko zonga. Aye ba ko fuka mal suri boso nzambe na ye. Ata la position ni boso na nzambe. Job a demeura intègre. Malgré situation na ye, malgré nenga komaki, ma demeura intègre. Totanga la histoire à Job. To mona pasi o Job a mona mbalamsu na kotanga bozoka somo me a viva yango. Moi si azo linga bimise na nzela nzambe matika la ki intègre. Combien le lomu ta koyaka kalobino lo ko moko kitsu ko vivre intégrité wana te. O changer position. Nzamba tindi on arrive gauche, lingi na arrive droite. Nzamba tindi o bolingo de mere kaka kote yo lingi kote kaka wana. Alors moko la biso abonde le pa na nzambe. Nzamba sunga biso po ete ko ndima na biso. Ezala o eza makasi o yote to kozala embralé na ba situation to kokutana nango na makambo to za komona na mukili na makambo to za kolekisa nzamba soutenir biso ke foi na biso ezala toujours forte et soki kati na biso ezala biloko eza ko empêcher gloire na nzambe papa bino kozala fidèle mais mamso na za obéissante na koki kozala obéissante mais mamso na za intégrité. Donc c'est à dire na za moitié biloko misa tu pa na ngai kokanité on nzamba za na posa biloko misa tu kati na nga esala papa lobi bolingo eza ko englobé nyonso na kolo bana za intègre mais na za nga bolingo na kolo bana za fidèle mais na za nga bolingo na za nga fidèle ko ya na église lobi te ke mon kolonioso na za fidèle na nzambe ba sou présence na nga église na za nga fidèle pa nzambe te eza ndenzo to mte ya ba tu ba monaka ba o Dieu voit le cœur to e bisa nzambe la biso à soutenir biso à sunga biso po ete to salela o eza ko ndima na biso soki toza intègre liboso na nzambe soki toza fidèle soki toza obéissant nzambe wana akosanga te kopambola biso peto ebisa nzambe asalela biso mais soki toza na biloko tokolongola toyebisi nzambe ye amonaka ayebi pe tolongola tobondeli na kombo na yesu aleluya.